Bon, bah c'est parti pour l'étape 6. Alors aujourd'hui, que quoi de beau? Le lac de Nino. Avec lac de Nino, ah, avec les bodines là. Ah ouais, ça, ça va être beau ça. Ça va être magnifique. Elle est pas trop dure a priori, on va arriver très tôt. Bah tu m'as dit. Ça va dépendre des épaules. Alors, on va surtout prendre notre temps. Là, il va y avoir une belle côte quand même. Oui, quand même, il y a plus de 600 mètres de dénivelé. Là, tu vois. 600 mètres de dénivelé. On va pas l'air d'être plutôt vertigineux. Enfin, ça, c'est sur le papier. Voilà, sur le papier, c'est jamais vertigineux, mais c'est quand on le dit. On se rend compte. Bon, c'est parti. On voit que ça souffle ici parce que quand on voit la gueule des arbres, ils ont vraiment une drôle de forme quoi, ils sont complètement allongés. C'est beau, magnifique. On vient de là-bas, je ne sais pas si on voit sur la vidéo. Les pistes de ski là-bas. Deux heures et demie. Bah, vraiment.
2h30 qu'on marche. Enfin, on a fait un bon bout déjà. Ouais. Ah, il nous reste du dénivelé quand même à faire. C'est quoi qui bouge là-haut là? Hein? Une bestiole là? Oui, une vache, je crois bien. Oh oui! Une vache là derrière. On devrait pas tarder à voir le lac de Nino. C'est derrière la montagne. Bonjour. 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 Apercevant le lac de Nino, donc on est plus très loin. Et nous, finalement, la grande difficulté elle est passée. Arrivé au lac de Nino, il nous reste 1h40 de marche et on arrive à la bergerie de Vacaglia. Oh, stop là. À la bergerie de Vacaglia. Ouais. Ou à la bergerie de Vacaglia. Je sais pas, comment on dit. Là, le paysage est magnifique encore aujourd'hui. On voit la mer là-bas. Là, on est sur des crêtes, on a des paysages à 360 degrés, c'est juste magnifique. On voit la mer là-bas. On voit la mer. On voit la mer au loin. Donc là, on marche en direction de l'est, direction du soleil. C'est pas un trou, c'est un trou hein, mais c'est moins, voilà, c'est moins vertigineux que l'étape 2 quoi. L'étape 2, waouh. Sur les crêtes, on va découvrir un nouveau paysage. Alors, suspense, est-ce qu'on va voir le lac de Nino? J'espère, normalement on devrait le voir. Donc
Là en direct hein. Là T'en chies ? Non. Non. Ah bah ça c'est. Ouais, là, c'est... On se croirait au Honeck. Tu penses que c'est lui là qui commande ? Il te regarde bizarre. Il n'est pas en train de nous emmerder. Celle que je vous montrais tout à l'heure. Normalement, on devrait voir le lac, quoi. Sinon, je comprends pas. Sinon, on s'est trompé d'étape. Peut-être que Yann s'est trompé, hein. C'est possible aussi, hein. Oh, on voit des podzines. On voit des podzines en bas. Elles sont un peu asséchées là. Qu'est-ce que ça fait du bien une pomme ? Une pomme, ça donne la fraîcheur. Chaleur étouffante, hein.
se demande comment ça se fait que t'aimes bien poser ton cul. On arrive de nouveau à un sentier qui va pouvoir nous muscler un peu les chevilles. Voilà. Donc là, faut être vigilant à chaque pas. Ouh, ça a l'air d'être encore un chemin sans chemin. Ça. Bon, allons-y. Bois mort là, c'est sympa comme paysage. Oh, ça commence à tirer un peu là. Surtout que j'ai mal dormi l'année dernière. Coca frais, un bon sauciflore. Ah, oh, ça va faire du bien ça. On a même pas mangé à midi. Ah bah il est 13h. Je commence à avoir un peu la dalle quand même. J'ai plus de force. Bon. On n'a plus qu'à faire les lits. J'ai un bon saucisson là. Oh, fait du bien. Donc là, c'est l'heure d'aller laver les fringues, d'aller prendre la douche. Puis après, une petite sieste, je pense. En fait, c'est dans la nature, il faut aller. C'est des roches hautes. On nous a clairement dit il n'y a pas de toilette, donc c'est. Vous démerdez dans la nature, on va monter là où il y a du papier partout. Bon, le Yann, qu'est-ce qu'il est que. Il y a un marchoir, on dirait que t'es quand même mieux. Bah, moi, j'ai pas. Oh, bah, il faut bien des souvenirs, t'sais. On est tous quand même mieux là, ce sourcil. Donc là, je suis dans la tente, il suffit d'imaginer, pendant la sieste, la vue que je peux avoir.
on va aller à la source d'eau potable. Par contre, il va falloir traverser là. Il y a des chèvres. C'est pas grave, hein. De toute façon, tout est en liberté là. On vit avec les animaux là, c'est ça qui est bien. On est bien. Puis regarde, on a la vue sur la vallée et tout. On est bien ici. Voilà pourquoi moi, personnellement, je préfère une bergerie à un refuge. Petra. Ah, ça fait du bien.